Hey, salut à tous les gars, c'est Vortex Gaming et aujourd'hui on se retrouve sur Granny 1, sauf que là ce n'est pas pareil, on va faire un tutoriel, voilà, de Granny 1, c'est-à-dire un tutoriel de toutes les pièces, bien sûr on va mettre, mais du coup on va commencer le tutoriel les gars, de pièce en pièce, à tout de suite. Bien sûr, les gars, j'ai mis en pratique, j'ai mis Extra Locks. Alors, Extra Locks, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand il faut plus de pièces pour la porte. Et tout simplement, voilà. Premier objet. Alors, les gars, les vases ne servent à rien. Voilà. Les vases servent à rien. Ça sert juste, en fait, si vous voulez. Voilà, mais là, j'ai mis le mode pratique, donc elle ne viendra pas. Si vous voulez, elle n'est pas là. Voilà, bref. Ben, du coup, voilà. Deuxième objet. Alors cet objet les gars, c'est pas pareil. C'est des graines pour oiseaux. Alors on va vous amener parce que tant il y en a qui savent pas où c'est. Alors exactement c'est ici. Vous allez là. Hop. Vous glissez, vous faites le chemin et vous allez voir. Voilà, une fois passé par là, vous y arrivez. Ici, et il y a un oiseau, il y a une pièce, vous la voulez, mais l'oiseau vous pique, et ça fait du bruit en plus, rien ne peut venir, vous ne pouvez pas la prendre, hein. Moi je vous le dis, mais quand vous avez les graines, vous faites comme ça, et vous prenez tout simplement la pièce, voilà, à quoi servent les petites graines d'oiseau. Et on se retrouve pour cette pièce. Alors voilà. Bah vous savez, c'est le truc que je vous ai montré tout à l'heure, avant de passer à cette pièce, qu'on peut passer par la fenêtre. Ouais. Alors comme vous aurez pu le voir, j'étais passé par là. Donc maintenant c'est au même endroit. Et du coup, là, il y a une porte. Mais il faut l'ouvrir. Avec une clé. Donc vous ne pourrez pas encore utiliser cette pièce. Donc vous la posez là. Et on s'en changera après. On va passer au quatrième objet. Quatrième objet les gars. Celui-là. Alors les gars, moi je vous dis, là vous voyez que j'ai trouvé des pièces et tout. Mais les gars, ils ne sont pas au même endroit. Hein. Ce truc là que j'ai. Il peut être là-bas, je sais pas moi, il peut être n'importe où, ils sont pas au même endroit. Pour les débutants, je vous préviens que les gars, ça sert à rien d'essayer de trouver au même endroit que moi. Moi je vous le dis, ok. Excusez-moi. Alors la pièce, celle-là, elle sert à la mettre là. Vous la mettez, et vous faites tourner. Vous faites tourner. Jusqu'à temps que vous allez voir, il va avoir un objet. Voilà, vous normalement, regardez. Hop, il y a un objet. Ah ben, vous regardez, c'est la pièce. Ben, voyez-vous, c'est la pièce. Ben, tant mieux. Comme ça, ça vous fera le tutoriel plus vite. Voilà, il n'y a pas tout le temps le même objet dans le truc. Il peut avoir même... quoi ? Fallait deux. On se retrouve pour l'objet 5. Objet 5, la Special Key. La Special Key, vous dirigez ici, hop là, vous allez ici, et hop là, vous ouvrez. Ensuite, vous allez là, et c'est pour là. Ça ouvre, vous rentrez. Faites attention, vous savez pourquoi ? Il y a une araignée. N'allez pas là, parce que moi, j'y vais pas. Vous voyez ce truc là ? N'y allez pas les gars, moi je vous le dis, sinon vous crevez, vous êtes des araignées. Vous la voyez là, l'araignée, ben voilà, elle vous tue, n'allez pas plus loin. Non, n'y allez pas là-bas. En fait, si vous voulez, vous allez voir, il va falloir poser un steak, vous verrez plus tard. Voilà, on se retrouvera pour le sixième objet, et c'est la clé. Regardez comment elle s'appelle. Voilà. Merde.
Elle est là. C'est la clé. C'est une clé verte. Il n'y en a qu'une seule de clé verte. Hein. Donc, c'est sûr que... Et voilà, à votre avis, elle est là, bien sûr. Voilà. Elle sert à la... Alors, n'allez pas comme ça. Vous pouvez pas ouvrir. Vous allez sur le cadenas. Et vous pourrez ouvrir. Et avec, du coup, sans du coup les septièmes objets... Ça, c'est les mêmes, on va dire. Donc là, on va rester sur le sixième objet. Et hop, bah, du coup, on passe directement au septième objet. Septième objet. Celui-là, ça sera le dernier objet du top. Parce qu'il faut rassembler toutes les pièces pour l'utiliser. Et on va passer directement au huitième objet. Huitième objet. La pièce de foot game. Alors, il y a un passage secret. Il faut juste pousser les cartons et puis passer. Voilà. Simplement. Ok, ok. Go, go, go. C'est là. On peut passer de notre côté aussi, hein. Bref, on s'en fout. On va s'en dresser. Hop, hop. Comme je vous l'ai dit, les gars, c'est normal qu'il n'y a pas Granny dans la map. J'ai mis le mode fantôme, les gars. Pastis. Alors, vous vous rendez à la voiture. Et en fait, si vous voulez, il y a un truc de shoot. Et voilà, après, il se met automatiquement. Quand vous vous mettez... Là, il se met, voilà, simplement regarder, on a mis la pièce, il manque les morceaux, et on les retrouvera dans les prochains objets. Alors, on se retrouve pour le neuvième objet. Neuvième objet. La Weapon Key. Nous allons la prendre. Pourquoi je vais là? Hop là. On veut se rendre tout simplement là. Alors la vidéo elle va durer un peu longtemps les gars, mais bon. C'est pour faire le petit tuto. Ok. Alors, regardez. Il faut bien la weapon key qui est juste ici. Hop. Ça vous ouvre et vous aurez une arme. Alors, l'arme, elle sert à endormir Granny. Vous lui tirez dessus et ça l'endort pendant... Tout dépend le mode de jeu. Le easy, c'est 2 minutes. Normal, 1 minute. Hard, je crois que c'est 15 secondes. Et extrême, c'est sûr 15 secondes. Ok. Et cette arme, du coup, on passe au... Dixième objet. Alors... C'est ça le dixième objet. Vous, en fait, l'arme, si vous voulez, c'est pas vraiment le dixième. C'est pas un objet, c'est une arme. Mais le dixième objet, c'est ce truc-là. En fait, pour le faire tomber, alors il faut faire start, tac, il faut bien viser. Ok, mais c'est pas grave. De toute façon, vous avez une balle à l'infini. Enfin, pour le récupérer. Ok, on va essayer, on va s'appliquer. Enfin, j'arrive, vous inquiétez pas. Juste des fois, il y en a, ils arrivent pas comme moi. Ok. Oh, ça y est. Je l'ai eu. Le tournevis. Rien d'autre. Il y a tout le temps le tournevis là. Le tournevis, il est tout le temps là, par contre. Il est tout le temps. Voilà. Bah, du coup, c'est ça, le dixième objet. Et on va se rendre ici pour l'utiliser. Alors, lui, il peut faire deux trucs. Deux trucs, je vais vous les montrer. Alors, il dévisse par là, hop. Il y a cet objet qui est tombé, mais on s'en occupera plus tard. Voilà, comme je vous dis qu'il peut faire deux trucs. Ouais, je vais vous montrer ces deux trucs. Alors, on peut passer par là. C'est vrai qu'on va pour vous montrer, en fait. En fait, ça sert à enlever ce truc. Vous allez voir, hop, le filet roulis, ta-ta-ta-ta-ta. Vous passez par la fenêtre. Ou par un autre endroit, on peut, comme je vous ai montré. J'aurais pu passer, ça serait un raccourci, mais ce n'est pas grave. C'est pour vous montrer. Eh ben, ça roule à ce truc, les gars. Faut dévisser. Et ensuite, vous activez ça. Donc, pas besoin du tournevis pour activer. Ok, ensuite, le tournevis ne sert plus à rien. Nous retrouvons pour le 11e objet.
Alors, juste du foulard, ok. Onzième objet. Ça sert à la voiture. On va descendre. Hop là. Je vais vous montrer où ça va. Ok. Hop, on passe par là. Bon, oui, c'est vrai qu'il bouffe un peu la vision, mais ça me fait rien. Alors, vous allez là et vous le placez au milieu. Hop. Et après, vous allez voir dans un objet suivant. Ça sera ça, grâce. Simplement. Allez. Nous nous retrouvons pour le 12e objet. Avant de passer au 11e objet, il y a. Alors, quand vous êtes là, vous la balette et tout, je l'ai pris. Vous pouvez aller pousser le carton et aller ici. Et bien, vous appuyez sur le bouton. Et ensuite, ça, vous poussez, ça vous. Alors, des fois, parce que tu appuies là, il faut pousser après. Et bien, voilà, mais du coup, ça va être lui, le 12e objet. La car batterie. Vous la prenez, évidemment, elle est pour la voiture, vous savez par où on passe, donc on se retrouve. Alors, une fois que vous vous retrouvez ici, avec le 12e objet, vous le placez ici. Il n'y a plus rien à faire avec, par contre. Ok, on est bon pour ça, et on se retrouve pour le 13e objet. 13e objet. La batterie. Vous la prenez, ben évidemment. Alors, je vais vous montrer à quoi elle sert. Comme je vous ai dit, je fais cette vidéo pour les débutants. Voilà. Ça sert, hein, les gars. Comme ça, vous savez quand il y a. Parce que là, il n'y a pas dans la maison. Hein. J'ai déjà fini graine, évidemment. Mais c'est pour vous montrer. Voilà, vous la mettez là et voilà, il n'y a plus rien à faire avec. Déjà, vous avez fait pas mal de. On a fait pas mal de trucs. On a fait ça, on l'a réglé. On l'a activé, donc c'est fini. Ensuite, il nous manque le code, il nous manque le cutting, il nous manque la master key. Ça, c'est pour après, comme je vous l'ai dit, ça, c'est un la mettre. Et on se retrouvera pour le 14e objet. 14e objet. Le livre. Book. Vous le prenez tout simplement. Vous allez voir à quoi il sert. Vous allez là. Vous voyez des livres, non, faut pas du tout le passer là. C'est exactement. En fait, vous regardez le cadre là qui est comme ça, tout penché. Vous faites ça et hop, vous appuyez là. Alors, le livre, les gars, par contre, il sert juste à un rituel comme ça. Juste regardez les images. Il y a l'araignée de granit qui est une de la cache. Et les gars, ça c'est. C'est l'andrinée, je sais pas si vous connaissez, regardez les images. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Alors, vous mettez le livre là. Regardez ce que ça fait. Bon, je vais baisser le son. C'est rien, c'est un petit truc comme ça, les gars. Ça sert strictement à rien. Juste comme ça. Vous voyez, c'est pas mal, hein, ça. Alors, on se retrouve pour le 14e objet. 14e objet. Non, les gars, c'est pas le 14e, les gars. Si je crois que c'est. Non, c'est le 15e, je crois. Le 15e objet. J'en sais rien, mais bref, tant que c'est des objets, voilà, on va dire 15e objet, on continue avec 16. 15e objet. Alors, vous savez évidemment à quoi ça sert, oui, au shotgun. On va aller le placer et on se retrouve pour le 16e objet. 16e objet. Alors, si vous avez regardé le truc du tournevis que j'ai fait tomber, normalement, vous savez comment on ouvre ce truc maintenant. Donc, maintenant, vous prenez cette clé. Le petit 16e objet. Bon, les gars, c'est moi. Je les ai mis comme ça, les objets. En fait, c'est pas le 16e objet et tout. Hein. C'est moi. Hein. C'est entre les objets que je trouve. Et ben, voilà. Et ben, du coup, on passe directement au prochain objet. Le cutting pilier. On va le prendre. Alors, il sert à faire tomber un truc. En fait, il y avait un truc où vous le poussez. Ça fait tomber. Ensuite, vous coupez. Hop. Ensuite, vous allez couper là. Et du coup, regardez, c'est vert. Alors, il sert à autre chose. Du coup, vous savez ce qu'on va faire? Parce qu'on n'a pas encore le marteau. Il nous faut ce marteau. Du coup, on va le déposer. C'est quoi? Là, c'est pareil.
Et on se retrouve pour le 17e. 17e objet. La dernière pièce du shootgun. Nous allons la prendre et la placer. Hop. Vous le placez. Et bon, on passe directement au 18e objet qui est juste ici. 18e objet. Alors le fusil, il a pas de cartouche. Mais là, il y en a. Vous en prenez une. Et vous pouvez tuer Granny avec. Et vous pouvez prendre le tournevis aussi. Vous tirez sur le tournevis. Et ça le fait tomber. Mais on va passer au 18e objet. Alors on va garder le fusil, vous savez pourquoi? Il va nous servir pour notre petit 18e objet. 18e objet. Ce 18e objet, il n'est pas très simple. Car une porte, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Alors vous avez besoin du fusil ou de l'arbalète. Alors vous avez ce truc là rouge. Il faut tout simplement tirer dessus. Vous pouvez lâcher votre shotgun et vous pouvez ouvrir. Et du coup, on passe directement au 19e objet qui va être celui-ci. Alors, cet objet, vous savez ce qu'il fait? Vous le placez. Et en fait, il sert à tuer Granny. C'est-à-dire, vous pouvez l'esquiver, comme ça. Sauf que Granny, comme elle est stupide, elle passe comme ça. Et ça vous congèle. Mais ça vous tue pas, vous. Hein. J'ai regardé, là, je suis congelée, je peux vraiment plus rien faire, par exemple. Je peux plus rien faire, là. Et là, je peux bouger, voilà. Et bien sûr, après, il fait plus rien. Il faut le reprendre et le reposer. Et quand c'est vert, c'est bon. Par contre, vous savez ce que ça fait? Ça la congèle pas à Granny. Hein. Carrément, ça l'explose en morceaux si elle se le prend. Voilà. Si vous voulez, je testerai à la fin de la vidéo. Si je me rappelle. Allez. Passons tout simplement au suivant. Objet. Le 20e objet. Non, le 19e. 19e objet. Alors bien sûr, après avoir cassé avec le shotgun, il y a un marteau. Bon, pas tout le temps, des fois il est ailleurs. Mais nous allons le prendre et l'utiliser tout simplement. Le marteau est... Oh non, je me suis fait prendre le piège, les gars. Attendez. Ouais, je peux plus bouger, attendez. Oh là là. Ok. Alors le marteau sert... Vous allez voir tout simplement. Le marteau est à peu près le truc le plus important du jeu. Tu peux faire beaucoup de choses avec. Alors, bien sûr, avec les C, oui, on peut casser les planches. Voilà. Et avec, on peut aussi, vous allez voir, on va monter à l'étage, ça fait partie. Mais c'est fait tête. Oh, faut faire attention à mon truc là. Oh. Si je l'éteignais, les gars, dans la vidéo, elle serait morte. Ok, ça va. Alors, il sert à. Mais si vous pouvez pas passer, hein. Il sert à casser les planches. Et avec. Vous pouvez passer. Vous pouvez aller fouiller. Là, voilà, ça on verra après. Et ensuite, nous passons au 20e objet. Non, au 20e objet, je crois. Je sais pas, les gars, vous m'en fous. Voilà, on passe à cet objet. Suivant. Alors, vous prenez la planche, vous la placez. Faites attention de ne pas aller sur le côté, parce que moi, je vous dis, vous tombez et vous crevez. Et ensuite, bien sûr, comme je vous ai dit, le marteau sert à beaucoup de choses. Il sert à... Faut le prendre. Faut casser la cam. Si vous ne cassez pas la cam, regardez ce que ça fait. Bah oui, c'est pas grave, ça ne joue pas. Mais genre, ça vous enferme. Et vous êtes obligé de faire comme ça. Et ça fera énormément de bruit. Et Granny viendra vous chercher si facilement. Bon. Bon, c'est pas grave. Alors que si vous avez cassé la cam, tout simplement, ça le fait pas.
Voilà. Le marteau ne sert plus à rien. Et nous allons passer au suivant objet. Ou je sais pas combien, mais je m'en fous, au suivant. Alors, rappelez-vous, on a caché, on a mis là ce fameux petit pilier. Et bien, il va nous servir pour le prochain objet. Alors, allons-y. Hop là, hop. On va couper le fil. Voilà, une fois ouvert. Voilà, vous ne pouvez pas le prendre. Désolé, j'ai fait une coupure sans faire exprès. Alors, il sert tout simplement à couper le fil. Et du coup, vous pouvez prendre la pièce. Et on se retrouve, parce que ça va être le prochain objet. Et je vais vous montrer où il va. Mais c'est l'idée, je suis tombé. Bon, c'est pas grave. On va reprendre notre objet. Et on va le faire. Récupérons cet objet. Regardez où je suis tombé. Je suis tombé là, moi. Bon, bref. Go. L'objet sert à salir. Vous allez là et hop. Vous allez sur tous les trucs. Et ça fait un truc de moins. Hop. Et hop. Hop. Et hop. Nous allons passer au suivant objet. Suivant objet, la carcaille. Nous allons la prendre. Ensuite, bon, on va prendre le petit raccourci. On fait glisser ça. Hop. On passe par là. Et ça fait nous fait tomber. Ouais. Let's go. Mince. Pardon. Ok, moi je partais là où il faut pas, quoi. Hop, bon, je ferme la porte. C'est un réflexe quand je suis avec Rani dans la maison. Je sais pas pourquoi. Alors, on ne peut pas ouvrir le coffre. Il vous faut la carcaille pour l'ouvrir. Et dans le coffre, il y a un objet. Et on peut mettre le gasoil. Le gasoil, je sais où il est, ne vous inquiétez pas. Il sera dans un de mes objets suivants. Suivant objet. Bon, on ne coupe pas parce qu'on l'a devant nous, quoi. Ok. On l'a devant nous, donc on ne coupe pas. On ne coupe pas la vidéo. Alors, vous allez vous rendre là. Bon, on peut passer par la fenêtre aussi. Si c'est pour prendre un raccourci. On passe par là. Juste montant. On passe par là. Voilà. Ok, attendez. Hop. Ok, elle est là. On s'en utilisera plus tard. Ça sert. Alors, vous placez le melon et vous appuyez là. Ça le coupe et il y a une clé dedans. Hop. Le spark. Ok, ben il est dans mes tops. C'est parfait. Let's go. Ok. Suivant objet, ben c'est du coup ça. Voilà, alors les gars, je vais vous dire un truc. C'est que la voiture. En fait, il y a deux façons de s'échapper. Hein. Dans la maison de Granny, avec la porte ou la voiture. Mais par contre, les gars, je fais les deux pour toutes les pièces, comme vous savez. Mais voilà, vous inquiétez pas, vous allez voir. Je vais vous montrer. Hop là, vous ouvrez. Hop. Et vous mettez ça. Déjà là, le coffre, on n'a plus rien à réparer. Ça c'est un bon truc déjà. Plus rien à réparer. Voilà. On va passer au suivant objet. Suivant objet. Bon, le shotgun. Si vous avez regardé la vidéo du début, on l'avait déjà. Mais c'est pas lui le suivant objet en fait. Voilà, le truc, ça m'a rien fait. Parce que. En fait, c'est flore, voilà, vous verrez. Alors, oui, on a oublié un truc avec le marteau, les gars, c'est ça. On le fera plus tard, voilà. Continuons. Alors, le truc, c'est que vous allez voir ce qu'on va faire. C'est à propos du shotgun. C'est très important. On peut faire plusieurs trucs. En fait, vous allez voir.
En fait, il va avoir l'araignée que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous avez regardé la vidéo depuis le début, parce que les gars, en même temps, vous regardez pas la vidéo depuis le début, on peut rien faire. Hein. Voilà. On prend des vols. Après, voilà. Vous la regardez du début si vous voulez comprendre ce que je dis. Ok, ok. On va aller voir l'araignée. Il y a, en fait, si vous voulez, il y a un steak aussi pour l'araignée. Mais nous, on va pas le prendre, le steak. On va, parce que je l'ai pas trouvé. Du coup, on va pas s'embêter. Regardez, il y a même des balles. Oh, purée! Oh non, j'ai pas eu à temps, les gars. J'étais pas si rapide que ça. Elle m'a délingué. On appelle ça le SEM. Et non, plus le fusil, vous avez vu où? Non, mais j'ai pas qu'il. Non, non, plus le fusil, il est là-bas. Oh non, je suis mal. Oh, je suis très mal, le fusil en plus. Attendez, on va le chercher, on va essayer de le récupérer. Je vous promets pas que je vais pouvoir le récupérer. J'aurais pu tuer l'araignée, mais là. Faudrait que je le récupère. Il y a plusieurs façons, de toute façon, c'est pas grave si j'y arrive pas. Ok, bon, on va se passer. On prend la mine. Non! Et ouais, mais il faut la prendre vraiment en 1v1. C'est bon! Je l'ai eu! On peut passer! Et on a la clé! Yep! Suivant objet! Si, ça sert à quoi, les gars? Juste. J'ai jamais essayé. Est-ce que dans Green Chapter Tom, on a un truc? Parce que ça fait bon, bref, c'est pour moi. Bref. Ah, c'est pour boucher. Oh, c'est bien. Ah, ben, je savais pas. Hein. Bon, c'est pour off. Ok, bon, ben, on va utiliser ce suivant objet. C'est pour vous. Hein. Putain, bon. Par contre, vous pouvez me laisser passer, s'il vous plaît. Merci. Alors. Il sert à ça exactement. À ça. Et il sert aussi à quelque chose d'autre. Les gars, j'espère que vous aimez ce tutoriel. Franchement, je pourrais le faire avec Granny Chapter Tom. Je vais même le faire dans pas longtemps. Et ça sert à faire ça. C'est obligé. Et ouvrir. Il nous sert plus à rien. Et voilà, on a ouvert. C'est pour. On va pouvoir s'enfuir, vous allez voir. Enfin, on n'a pas encore toutes les pièces. Attendez. Ok. On se retrouve pour le suivant objet. Et. Suivant objet qui était là. Voilà, bon, allez. L'essence. Le gasoil. Nous allons nous rendre là. Okay. Go, go. Les gars, aussi, je ferai des tutoriels graniers, les gars. Plusieurs tutoriels. Vous verrez. Je ferai même des tutoriels Brawl Stars, peut-être. En vrai, de Granny Chapter Tom aussi. Mais des petits. Aussi, des petites. Pardon. Des petites méthodes aussi. Pour mieux s'enfuir plus facilement. Vous verrez, vous verrez. Ok, les os. On va mettre le gasoil. Alors, bien sûr, on doit ouvrir avec la carquille là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut regarder la vidéo entière. Il y a si vous voulez vraiment savoir toutes les pièces. Parce que je ne le referai pas deux fois. Reculez la vidéo. Et si vous ne l'avez pas fait, regardez-la du début tout simplement. Voilà, vous remplissez bien. Putain, je vais vous arrêter la vidéo. C'est bon, vous n'en avez plus besoin. Ensuite, il vous manque. De la carquille, vous faites ça et vous pouvez vous enfuir. Alors, on peut s'enfuir, les gars. Moi, je vais vous le dire. Regardez, dernier coup. Oh, regardez. On va laisser la voiture comme ça parce que, les gars, sinon on s'enfuit et on va finir le tutoriel tout simplement. Parce que, au bout du dernier coup, ça commence, c'est fini quoi.
au dernier coup. Non mais ça fait bizarre les gueules de voir la voiture déplacée. What's up, regarde, elle s'est défoncée. Bon, bref, c'est pas grave. C'est quoi ça? Ah, ok. Ok, on se retrouve pour la suivante pièce. Voilà, il reste plus beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Suivant objet. Et après, je crois... Ouais, après, il y a le dernier. Il y a marqué muse. Sauf qu'on peut pas... On appuie sur les ombres. Regardez, regardez, tout simplement. Nous allons nous diriger. Non, ce n'est pas les codes. Ne pensez pas à ça. Ce n'est pas le code. Mais le code se trouvera à l'intérieur normalement. Regardez, là, il nous faut un code. Alors, vous allez là et vous mettez use. Et vous voyez. Ok, il n'y a pas le code là. Donc, on est très mal pour trouver le code. Ok, bon. C'est un spray. Ce spray sert à endormir, justement. Tout simplement, la mamie. Rien de spécial. Enfin, sinon, ça sert à juste à la rendre aveugle pendant quelques temps. Bon, nous allons trouver le code pour le tutoriel. Ça va être galère. Juste attendez, je sais pas si je crois qu'il est là. Parce qu'en fait, des fois, il y en a deux, non, même pas. Bon, nous allons essayer de le trouver, hein, tout simplement. Je crois que je sais où il est. Il y a le code. Mais oui, on a oublié de toute façon. J'allais le faire de toute façon avec vous. On prend le marteau. En fait, je me suis trompé. Il restait un dernier truc, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et au début, il n'y a plus de truc à faire. Là. Si, en fait, ce que vous diriger là. Là. Et je pense que c'est là où il est. Bon, le poisson ne sert à rien. Et non, c'est le steak. Oh, on est mal. Bon, on va essayer de trouver le code. Attendez. Je sais, il peut être collé quelque part aussi. Attendez. Je vais regarder parce que l'IA. Trouver quand même. Oh, ne vous inquiétez pas, je vais le trouver. On va passer au code après. Alors, les gars, le code doit être normalement, mais sinon, j'ai d'autres blanquettes. Ne vous inquiétez pas.